إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي و... وب... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة ما شاء الله Toujours, Alhamdulillah, pendant ce mois, ce mois béni, ce mois Alhamdulillah de la miséricorde, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la rahman ce mois, mashallah, de la générosité, Allah سبحانه nous compte parmi, mashallah, les généreux. Ce mois, Alhamdulillah, des hasanats. Ce mois où, Alhamdulillah, chaque croyant et croyante, mashallah, chaque musulman et musulmane envie de la foi et qui cherche l'agrément de subhanahu wa taala c'est un mois où il doit masha'allah euh, ne pas rater donc euh, c'est un mois de djihad c'est un mois de jihad. c'est un, un mois de combat combat avec ou bien contre qui djihad ma nafs donc combattre son âme donc djihad ou nafs pour deux points le premier point c'est à savoir donc jihad de tout ce qui concerne al zahir tout ce qui est apparent également donc faire un jihad un combat avec ce qui est à l'intérieur c'est ça le jihad pendant ce mois donc pendant ce mois c'est un mois un mois d'effort un mois de combat un mois de jihad djihad ou nafs combattre son âme combattre son ego masha'allah par rapport à ce qui est apparent également à ce qui est caché donc pendant ce mois, ne rate pas donc, pour que tu puisses sortir en ayant donc la taqwa, la crainte toujours, cette crainte révérentielle qui veut dire faire ce qu'Allah recommande et de laisser tout simplement ce qu'Allah SWT interdit. C'est ça la taqwa, comme dit Allah donc on fait ce mois, donc c'est pour atteindre à cette, à cette taqwa, à ce niveau, Inch'Allah, nous dit Subhanahu wa ta'ala, Allah donc, nous, nous appelle et c'est le rôle du croyant, du musulman, donc qui se donne à fond, masha'allah dans cette dans cette soumission comme dit Allah subhanahu wa taala ya ayuha alladina amanudhulufi silmika wa la ta'tbi'uhu kuntuatishaytann inna hu lakum adumubin donc on se donne à fond Masha'Allah, a plus fort raison pendant ce mois, Alhamdulillah. Donc, on doit faire djihad, Masha'Allah, pour éliminer nos faiblesses, éliminer nos défauts, éliminer nos manquements qui étaient là avec nous pendant 11 mois. Pendant ce mois, on doit tout éliminer, tel que donc Al le fait de se mettre en colère sans raison. Aujourd'hui, regardons, la colère a mené des gens vers la perdition, des divorces, des guerres, Subhanallah, les dislocations de famille. Donc, tu te bats Mashallah, Jihad donc avec cette colère Pendant ce mois, tu sors de ce mois Mashallah en étant au-dessus donc de, de ta colère Également donc, Al-Kadhib Tu sors du mensonge Il n'y a plus de mensonge, Inch'Allah, Ta'ala Également, Al-Dhulm, l'injustice Tu le combats, Mashallah. Tu combats également Al-Riba Cette médisance, le fait de parler tout le temps De faire parler, donc, derrière les gens comme ça Faire du mal, malheureusement et mentir, être injuste envers les gens, c'est un mois où tu dois même changer ta fréquentation. Nam, changer ta fréquentation. Maintenant, c'est ta fréquentation, c'est avec le Coran. Ta fréquentation, comme tout, tous les mois, mais encore surtout pendant ce mois, ta fréquentation, c'est avec le Coran. Machallah, la lecture, la méditation du Coran et le vivre, Machallah. Ta fréquentation, c'est les mosquées, la prière, Machallah. Ta fréquentation, c'est les douas. Ta fréquentation, c'est les adhkar. Mashallah, tu invoques Allah, tu appelles Allah, tu lui demandes ta fréquentation, Mashallah. Donc, c'est cela, tu rahim. Sais encore les liens, les liens donc de parenté avec tes proches, avec tes amis, avec tes frères, mais surtout avec tes parents. Mashallah, ton père et ta mère, Mashallah, tu les mets au niveau, au, au, Mashallah, au niveau. Comme ça, tu leur demandes pardon pendant ce mois et tu fais de ton mieux pour gagner leur satisfaction, comme l'a enseigné Allah. subhanahu. Et comme l'a enseigné Rasul, donc c'est un mois où, Mashallah, on doit vivre pleinement, Mashallah, ce djihad, ce combat, ce travail, cet effort, machallah jusqu'à changer nos fréquentations. C'est fini maintenant, même chez toi, tu changes ta fréquentation, chez toi-même à la maison. Nam, comment ça, donc devant la télé, en plus, bientôt la Coupe d'Europe, que la Coupe d'Europe ne te fait pas perdre, Subhanallah, l'objectif. C'est la Change la fréquentation avec ton portable même. Ne, ne, mets, ne te mets pas dans le haram. Ne regarde pas le haram. N'écoute pas le haram. Même la télé. S'il faut éteindre la télé, s'il faut regarder que du haram. Change la fréquentation même chez toi. naam Change la fréquentation dans ton quartier. Change la fréquentation. Regarde celui que tu fréquentes. Celui que tu fréquentes comme de la santé what. Donc, suis le chemin de celui qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la fréquentation, tu cherches la science, tu apprends et tu fréquentes les savants. Masha'Allah, tu les écoutes, masha'Allah. Donc, tu suis ce cheminement et tu vas sortir de ce ramadan. Donc, tu as fait djihad ou nafs, mais avec euh, surtout al ikhlas, une sincérité. Al ikhlas, une vraie sincérité, masha'Allah. Qu'Allah nous facilite ce ramadan, qu'on puisse le faire et le finir, masha'Allah comme l'a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. donc n'oublie pas pendant ce mois, c'est un mois de djihad c'est un mois de combat c'est un mois d'effort, donc masha'Allah le repos, comme disait masha'Allah les pieds le repos, inshallah c'est au paradis, inshallah autour de Rasoul sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam ma وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رفيقا كَلَّا نُكُونْ بَغْمِي سَلَا جَاهِدْ نَفْسَكَ إن شاء الله في هَذَا الشَّهْرِ اللهم جَالْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى بنس tout le الله سبحانه وتعالى guérisse nos malades الله سبحانه وتعالى pardon nos morts الله سبحانه وتعالى accepte nos دعاءs الله سبحانه وتعالى réalise nos vœux الله سبحانه من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون وبارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بون bon رمضان à ما شاء الله